Et salut à tous, c'est TTGoFed, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, vidéo siège, on est contre AF Legend et Hydra Shield, donc on va devoir bon siège en perspective, à bon entraînement. J'espère en tout cas que cette petite vidéo te plaira, si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à t'abonner, petit pouce bleu, et nous, on est parti directement avec les premières offenses. Allez, offense numéro 1, on est contre une Shazam, Vritra et Ashur, et on va partir sur notre Janna, John et Lenoa. Donc c'est une offense que j'aime beaucoup jouer pour l'instant. Au niveau du runage, la Janna c'est la même que d'habitude, à gauche à droite on a mis du multi. Le jump il me semble que c'est le même que d'habitude, un pivio full attaque, APAQ, à gauche à droite dégâts des bombes. Et on a Elenoa, qui joue en dernière, en Desper Will, avec à gauche dégâts multi-hit et à droite accuracy skill 2. Allez, c'est parti, on veut évidemment bomber le Ashur. Du coup, il y a deux off-wheel, donc on va mettre une bombe sur Ashur, c'est le plus important. On va aller mettre les stuns partout, voilà, parfait. Et là, on peut aller reset Ashur, plus mettre les bombes de tour ailleurs, voilà, excellent. On va faire un petit skill 2 pour cycler, hop. On va faire skill 3 sur nous-mêmes, voilà. On va faire un skill 1 ici pour enlever la marque, la menace. On se fait stun, c'est pas grave, bon petit proc. Nous du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit skill 2 ici, j'imagine. Voilà, on va faire un petit skill 1 ici. Voilà, on va aller reset ici. Hop, excellent. Et là, on a à nouveau les bombes, mais on n'a pas le choix de la mettre ici. Du coup, voilà, plus les autres deux tours ailleurs. On va aller restun tout le monde puisqu'on a récupéré notre spell. Ben normalement, c'est gagné. Je pense pas que ça tank. Une force super safe, surtout et surtout s'il y a du off-wheel en face. Évidemment, on n'avait pas idée s'il y avait du off-wheel en face. Mais visiblement, ça l'était. Du coup, ça facilite le travail de Janna et de la pose des bombes. Alors, offense numéro 2, côté AF, on est sur de la Ciri, Emily Vigor. Et Emily, je trouve ça pas mal. Il y a 2 BP, ça s'est pris un buff. Personne n'a joué en siège. Pourtant, maintenant, je trouve ça assez intéressant. On va partir sur Kinky, Raccoonie et Windy. Avec un Kinky qui est plutôt tanky. Rapide aussi. Avec à gauche, on a mis Multit. À droite, Multit. On a un Raccoony en vieux Nemesis, très tanky aussi. À gauche, réduction haut, à droite, j'ai mis de la speed en fonction de HP perdu. Et enfin, on a un Windy en vieux Destroy, multi à gauche, à droite. Focus, j'imagine, sur la Emily, parce que si on regarde les stats de base de Emily, elles sont à 10 000. La série, c'est un petit peu plus élevé et le Vigor, c'est trop tanky. Je pense que dès qu'on a tué la Emily, normalement, on est plutôt pas mal. Du coup, on n'aura pas le premier tour, c'est normal. Alors, c'est peut-être du Vio, c'est pas du tout. Ça, par contre, c'est du Vio 100%, donc ça va contrôler la TB, c'est normal, ça sonne une chance sur deux. On va faire skill 2 ici pour. Et eh bien, pouvoir avoir un petit buzz speed. Là, on prend les backdash, donc c'est le moment dangereux. Voilà, c'est mort. Waouh! Comme les dégâts, j'ai pris. Attends, mais. Waouh, ça pique, hein? Waouh, ça pique, ça pique, ça pique. Alors, ici, je pense que je vais donner le tour ici plutôt. C'est mieux pour enlever le backdash. Et je vais faire une AOE direct. Attends, mais je vais aller là-dessus, c'est super squishy. Et puis, il y a le backdash. Je pense qu'on peut le tuer direct. Elle est super offensive. À mon avis, elle est anti-kinky, 100%. Donc, ça, c'est en vio, visiblement. Deux procs violents. Maintenant, on va aller là-dessus. Et normalement, si ça proc pas 15 fois de plus, normalement on est pas mal, bah c'est nous qui procons, parfait. Du coup, on peut tuer directement. Et on passe. Bon, en vrai de vrai, Bruiser 7 def, c'est un peu compliqué quand même, il y a beaucoup de dégâts. Je pense que c'est juste runé anti-Bruiser, honnêtement. En tout cas, pour cette défense, on aurait pu la cleave. Hop. Hop. On se remet bien. Et normalement, là, de toute façon, le Windy 1v1, sans souci. Allez, offense numéro 3, on est contre une Nana, Byung-Chul, Guillaume, et on va y aller avec notre force qu'on adore, Poumbek, Robot Vent et Galion. Poumbek, j'ai skill up, les gars, comme promis, je l'ai skill up, donc juste pour vous, vraiment, genre, dans quel autre contenu veux-tu que je joue ce Poumbek, hormis pour int le siège, aucun, c'est cadeau. À gauche, j'ai mis dégâts sur haut, à droite, j'ai mis crit damage skill 3, l'objectif, c'est d'aller tuer, je pense, la Nana en premier. On a le robot qui est en Swift, avec à gauche, à droite, deux multi-hit, et on a le Galion, qui est en Vio. Voilà, avec à gauche, dégâts sur haut, et à droite, on a mis du Crit Damage Skill 2. Objectif, cleave. Du coup, full wheel, on va réussir à tout strip. Alors, on en rate 1. C'est pas si grave, puisqu'on a mis le Break Death. Maintenant, il va falloir tuer cette Nana. Ok, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Du coup, on peut stun. Et normalement, ok, s'il proc pas, on est plutôt fine, donc l'offense est carrément bossée, incroyable. Allez, offense numéro 4, on est contre une défense d'AF, Vritra, Byung-Chul et Chandra. Du coup, on va partir sur une offense assez fun, que j'ai plus fait depuis longtemps, avec Bayek Vent, Muguang et Semé. Donc Semé pour la sustain, en Nemesis, Sandraise, à gauche réduction d'arc, à droite speed en fonction d'HP perdu. On a le Muguang qui est en Vio Will avec à gauche réduction haut, à droite multi-hit. Et enfin, on a le Bayek
vent, envio, will, avec à gauche réduction, vent, et à droite un petit peu d'accuracy skill 3. Et c'est parti, on tente le premier tour et on rebound au T2. Du coup, on n'a pas le premier tour, normal, il va faire son skill 2, nous mettre des petits dégâts, mais on est très tanky. Voilà, en plus il rate les strips, parfait. On prend aucun debuff, là on va faire skill 2, on va en profiter, on met quelques debuffs, pas beaucoup en vrai de vrai. Et qu'est-ce qu'on a envie de taper en premier? En vrai, peut-être aller là-dessus. Je vais aller dessus directement, mettre des petits dots. Voilà, faire des bons petits dégâts quand il va jouer. Je vais faire skill 2 sur mon Mugwang. Parce que bah, c'est lui qui va prendre le focus et je veux qu'il récupère son spell assez vite. On va prendre des dots qui vont se transformer en sustain. Donc ça, c'est plutôt cool. Le Kala qui va durer qu'un seul tour. Nous, on va juste un petit skill 1 ici. On va prendre le break death potentiellement. Non, très bien, parfait. Et on va tenter un stun ici. Je pense que c'est le plus intéressant. Plus mettre le dot. On glance malheureusement. Mon petit proc, ça veut dire qu'il y a skill 2 prochain tour, mais le destroy commence déjà à opérer. On va essayer de continuer de taper ici à gauche. Voilà. Tu vois que voilà, il n'y a plus d'HP. On va faire skill 2 ici. Voilà, mettre des dégâts, des dots. Hop, on va prendre un skill 2 à notre tour. On prend des bons petits dégâts. Le focus va aller sur Mugwang, mais regarde, ça, tout ça, c'est de la sustain. Hop. Pas de proc violent de notre côté, par contre. On va continuer à taper ici. Donc là, on prend des bons dégâts, certes. Mais voilà, on est full life. Je vais pas taper là, ça sert à rien. On va aller taper ici du coup. Ok, le stun est cool. Le focus va là-dessus, mais ça va nous mettre full life. On va faire skill 2 ici, on n'a pas le choix. Mettre lentille, des dots. Donc ça, normalement, c'est mort. Des dots, tout simplement. Même s'il y a le câlin qui dure qu'un seul tour. Et du coup, on va juste aller taper ici, nous. Hop là. En fait, on va péter les HP ici. Si on les casse en soi, bah, en gros, il fera moins de dégâts. Donc on est plutôt pas mal. On va faire skill 2 sur Mugwang qui a récupéré du coup son skill 2. Il se fait pas stun, parfait. Donc là on a skill 2, on va pas remettre des dots. Puis ici à droite, parfait. On va continuer à mettre des dots sur ce Mugwang. Et voilà, il n'y a plus de dégâts en face, regarde. Plus de dégâts. Boum. On va mettre des calas à proc, mais... On va aller taper là. Allez, offense numéro 5. On est encore contre cette défense Nana, Guillaume et Byung-Chul. Et on va y aller avec une offense qui devrait fonctionner. C'est-à-dire Fengyang, Alia et Kadiz. Pourquoi pas, pour le fun. Donc une compo très tanky avec le Fengyang Envio Destroy, multi de la def à gauche et à droite. Là, Alia très tanky aussi Envio Will avec à gauche, réduction de vent à droite, speed en fonction de HP perdu. Et enfin, on a un Kadiz en triple revel sans dress, plutôt tanky avec à gauche à droite deux multi. Allez, c'est parti. Donc je pense qu'on va essayer d'aller tuer directement ici le Guillaume. Je pense que je vais juste faire un skill 1 en réalité. Je crois qu'il n'y a rien à faire hein. En vrai de vrai. Hop, on va devoir tanker le premier tour. On va se prendre le break def. Voilà. On se prend tous les break def. Waouh. Écoutez, on peut se faire limite sortir à l'open là. En vrai de vrai. Oh, what the fuck. Je m'y attendais pas en fait. Là en vrai, le speedling est vraiment unlucky pour le coup. J'aurais dû faire une alia plus lente. My bad. En vrai, c'est une erreur. Finalement, c'est quand même passé. On s'est pas fait punir. Enfin, attendez. À compter des cracks là. On va aller là-dessus, parce qu'il a l'air d'être plutôt offensif. On va faire un skill 1, je pense, pour tuer. Voilà, parfait. On sustain un petit peu, on va faire skill 4. On va tuer deux fois vite fait le Guillaume, et puis bah, normalement, on est pas mal. On va faire un skill 1. Voilà, bon, on le tue direct, parfait. Petit skill 2, et normalement, on devrait s'en sortir. On peut aller sur, du coup, le petit père Byung-Chul maintenant. Et on peut lui faire un petit skill 2, tu sais quoi, pouf, voilà. Bon, il revenge tout le temps, il m'a volé le buff revenge. Oh, il proc violent aussi, ok, il reproc encore violent, ok. Il m'a revolé le buff revenge du coup. Ok, bon, visiblement, il aime bien voler les buffs, tu sais quoi, on va aller sur la nana. Ce sera plus intéressant, je pense. Voilà. Hop, on va aller dessus. De toute façon, c'est le setup break death, voilà, si on la tue, oh, les dégâts. Non, mais c'est une folie, par contre, Fengyang, on en parle ou pas? C'est n'importe quoi. Et ben, j'ai juste envie de vous dire, c'est une énorme Kadiz diff, voilà. Je pense que tout le monde est d'accord ici. Oh, 8000 par hit le Fengyang, mais il arrache tellement. Incroyable. Alors du coup, offense numéro 6, on est contre une Emily Vigor, Siri Dark côté AF à nouveau. Et on va partir sur une cleave avec Jultan, Dova, Lucian. Donc l'idée en fait, c'est que même si c'est Lucian proof,
En fait, le focus va normalement aller sur ces deux-là et pas systématiquement sur Lucien. Donc, il y a peut-être moyen de quand même ôter deux, tuer quelque chose. Nous, on veut quand même tuer la Emily le plus vite possible. Du coup, on a mis des dégâts sur Light à gauche. À droite, on a mis du crit damage skill 3. On a le Dova très rapide en Swift. Quand même une petite réduction d'arc à gauche. Et Jultan, voilà, avec du effect damage et une réduction Light à gauche. Objectif cleave. Oh. Ok, bah écoutez, sans Swift. Et ça a derp. Ok, all planet. What the fuck? Allez, offense numéro 7 côté AF. On a l'info que celle-ci, on sait la cleave. Du coup, j'y vais à nouveau avec une petite Lucian Dova et Myang cette fois-ci. Donc, la Myang très rapide avec du multi à gauche à droite. Dova à gros set Swift. Et on a Lucian, le même que tout à l'heure. J'ai mis de l'attaque up effect à gauche et à droite. Objectif cleave. Du coup, on outspeed. Voilà, tu vois que c'est runé pour le bruiseur. Normalement, on devrait réussir one shot. Hop là. Et du coup, offense numéro 8, on est contre une Siri Emily Vigor à nouveau. Et on sait que c'est la Vigor Swift qui va outspeed, d'accord? Donc on le sait, c'est pour ça que j'ai pris un Carcano pour tanker. J'ai mis en Emesis, si t'as vu. Voilà, pourquoi pas, ça peut être marrant, réduction haut à gauche. S'il fait skill 2, eh bien j'ai une Julie et pas un Lucian. Du coup, bah, même si on ne crit pas, on va faire des gros dégâts. Donc la Julie, full dégâts, multi de l'attaque à gauche à droite. Et le Dova, ensuite, pour donner le tour. Objectif, cleave. Du coup, tu vois qu'on sait outspeed, bah il fait skill 3, du coup, pas de souci. On va juste donner le tour à notre Julie du coup, et il va faire skill 3, normalement devrait tuer quasiment tout. Voilà, du coup on est plutôt pas mal. Allez, offense numéro 9, on est contre une défense un peu plus faible, du coup on va faire une offense qui est très safe contre cette Vigor King qui est Harmonia. C'est Arnold, Icarès et Harmonia. Donc on a Arnold qui joue au premier en VO Wheel avec dégâts sur haut à gauche. On a Icarès en VO Wheel aussi qui joue juste après. J'ai mis dégâts sur haut aussi, je prends pas de risque cette fois-ci. Malheureusement, j'ai pas d'HP, du coup c'est attaque pour moi. Et récupération skill 2 à droite. Et enfin, on a Harmonia qui joue en première en VO Wheel avec à gauche réduction light et à droite un peu de récup S2. Allez, c'est parti. Donc on se haut speed, bah y a pas de problème. De toute façon, il se passe rien, y a pas de strip. Voilà, nous on va juste faire un petit skill 3 ici ou pas, en vrai on peut, hein. Juste histoire d'un petit peu diminuer les dégâts, les HP, voilà. On va assurer le coup, on fait un petit skill 3. Voilà, hop. Et normalement on devrait tuer avec la Icarès. Aïe, ça m'arrive à chaque fois en fait, hein. C'est incroyable, j'ai pas assez de dégâts en fait, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et là sur le coup j'ai mis tour en 9 pour pouvoir tuer. En vrai de vrai, vous savez quoi, je vais perdre. La prochaine fois que je vais tomber sur cette défense, je vais faire une Icarès en Swift avec 10k HP de plus, hein, c'est pas possible. Mais là je peux plus gagner je pense, hein. J'ai le back def, là je suis mort. Aïe, c'est trop grave les gars, franchement c'est trop grave. Je vais vraiment perdre contre cette défense, c'est la plus nulle défense qui existe sur Terre, il y a 1 million de façons de la passer. Et je vais réussir à la perdre, ok, bon, bah un peu le seum j'avoue. Bon du coup, offense numéro 10, on repart sur la même, j'ai le démon les gars, je vous le jure. Isabelle, robot d'arc et truffe, donc truffe. Donc on a un robot d'arc qui joue en Swift Wheel, le wheel est important pour les revenge de Kinky, multit à gauche à droite. On a truffe qui est en Swift Wheel, pareil, en wheel, à gauche, multit à droite, accuracy skill 3 pour être capé sur le skill 3. Et Isabelle, full knocker, à gauche, dégâts sur haut, à droite, crit damage skill 3. On one shot Vigor, on tente de tuer l'harmonia, et puis au T2, on tue tout avec le robot d'arc. Objectif cleave. Bon du coup notre speed, très bien, on va pas faire skill 2 directement, c'est full of wheel. Du coup là on va juste faire un skill 1, on va le faire ici, voilà. On va faire skill 3, réduire les ATB, mettre la back def. Résistance, résistance, très bien. Donc là on va faire le skill 2, on va tuer ce Vigor, si on le tue pas je vais péter à plomb. Ok nice, et maintenant on va faire un petit skill 1 là dessus. Oh on l'a presque tué, dommage. Là il va focus ma Isabelle, c'est pas un problème, de toute façon là Isabelle a fait son taf. On va juste aller tuer ce truc là. On peut aller le stun. Voilà. Et là, on va faire skill 2. Prendre de la TB. Oh, calme-toi. Ok, ce siège est génial. Bravo. Allez. C'est fini pour moi. What the fuck? Allez, 8 sur 10, un score super mérité. En vrai de vrai, leur défense était trop forte, j'ai rien su faire. Je me suis bien amusé quand même, on avait joué un petit Mugwang, tout ça, c'était cool.
GG aux deux guilds, le siège était cool, je sais pas si on va gagner le siège ou pas. En tout cas, je pense qu'on va plutôt terminer deuxième ou troisième, ça va dépendre avec Hydrachil. Si ils se débrouillent bien, ils ont 82% de winrate, on a 87% de winrate, on a vraiment pas un bon winrate, donc limite on pourrait terminer troisième. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, en tout cas je n'ai pas aidé pour le winrate. Si c'est le cas, ben, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, et tu sois les potes, t'es Tito.